journey through time begins on the Champs-Élysées. Except there's no Arc de Triomphe or luxurious storefronts yet. In the 18th century, this avenue was called the Grand Cours. This is the place to walk when you need to be seen. And yes, the king left Versailles to settle in Paris at the Palais de Tuileries, just a few steps from here. Here we are, just above the Grand Cours, outside Paris, in Faubourg Saint-Honoré. These damp and marshy lands sont dans le temps, car l'histoire est loin d'être achevée. Regardez comme le décor a changé. Autour de vous, pelouses et bosquets à l'anglaise, agrémentés de grottes, cascades, labyrinthes, ont remplacé les allées bien taillées du comte des Vreux. L'hôtel appartient désormais à la duchesse de Bourbon. Sous son impulsion, le palais devient un haut lieu de rencontre des esprits du 19e siècle. L'Élysée voit passer en ses murs les époux Murat, Napoléon Ier, la duchesse de Berry, et devient en 1848 la résidence du premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte. Mais ce n'est qu'une fois devenu empereur, sous le nom de Napoléon III, qu'il y entreprend d'importants travaux. Entre 1852 et 1867, le palais fait beau neuf. Façade, balcon, aile de service, portail d'entrée, décoration intérieure, tout est transformé. Côté jardin, une salle de bal aujourd'hui appelée Salon Napoléon III est même ajoutée au corps de logis principal. L'empereur y organise de fastueuses réceptions pour les hommes d'État du monde entier. Les transformations se poursuivent. En 1889, le président Saint-Carnot fait ériger une grande salle des fêtes accolée à un magnifique jardin d'hiver. C'est à ce moment-là que la fée électricité entre à l'Élysée. Dans la cour d'honneur, impossible de manquer cette imposante marquise toute de vert vêtue. Très tôt, les journalistes la surnomment la cage aux singes, par moquerie envers les puissants qui sont obligés de passer par ce vestiaire. Cette verrière sera retirée en 1947 sous la 4e République, rendant ainsi au palais son aspect originel. Avec l'arrivée du général de Gaulle en 1958, le palais de l'Élysée devient le cœur de la vie politique française et son aspect architectural se stabilise. Pour autant, chaque hôte continue bien à poser son empreinte. Notez par exemple le percement des baies vitrées de la salle des fêtes sous François Mitterrand, ou plus récemment, en 2020, l'habillage tricolore du jardin d'hiver par les artistes Daniel Buret et Aurélie. Notre voyage dans le temps s'arrête ici. Thank you.
Mm-hmm.